La microvibration compressive endosphère thérapie est le système qui, lorsque nous l'avons présenté en 2008, a représenté une véritable révolution dans le monde du traitement anticellulite. Le système se basait sur un cylindre sur lequel étaient disposées 55 sphères en silicone hypoallergénique qui, en tournant sur leur axe, émettaient une vibration à basse fréquence. Ensuite, en 2014, cette technologie fut implémentée avec un nouveau mécanisme. L'appareil était équipé d'une série de capteurs qui permettaient de relever la résistance du tissu en augmentant et en diminuant la fréquence. Ce système a représenté une véritable révolution dans le traitement de la cellulite, ce qui a ensuite conduit à une nouvelle évolution appelée micro-vibration ablative sensorisée. Un système présenté en 2017 qui permettait de travailler sur une surface instable comme l'épiderme grâce à un système de sphères qui, en tournant sur leur axe, crée une ablation. Cette innovation a conduit à la création d'une nouvelle technologie appelée EVA pour le traitement visage. Des années de recherche en synergie avec l'Université de Chieti et l'Université de Vérone et le développement de l'ingénierie ont mené à faire fusionner un ensemble d'expériences en une nouvelle technologie. On ne pouvait trouver mieux que l'appeler Evolution, c'est-à-dire l'évolution de la technologie endosphère, la plus haute expression à ce jour de la technologie endosphère. C'est pourquoi Evolution. L'un des éléments auxquels nous avons prêté une attention toute particulière est le design de la machine, qui représente le family feeling de l'entreprise. Soit un cylindre avec un angle de 40 degrés sur lequel, grâce à sa forme, nous avons pu installer un écran tactile de 11 pouces, nous permettant d'interagir avec toutes les fonctions de la machine. En outre, nous avons essayé de lui donner cette élégance typique des produits italiens. Made in Italy, parce que Evolution est créé totalement en Italie. En outre, nous avons donné de l'importance à la couleur, car c'est un élément clé à l'intérieur d'un institut de beauté qui peut faire la différence. Evolution est une machine constamment interconnectée. Et dès que l'opérateur allume l'appareil, celui-ci se met automatiquement à jour. Nous pouvons ainsi disposer de toutes les données, les informations, les protocoles, les mises à jour du logiciel de façon immédiate. Evolution dispose aussi d'une assistance en ligne. Grâce à un logiciel, nous pouvons agir directement à l'intérieur de la machine et contrôler son activité pour garantir sa fonctionnalité optimale. Evolution est une machine conçue pour l'utilisateur final. Nous devions donc réaliser un système d'acquisition de données du patient, c'est-à-dire son poids, sa taille, sa morphologie. Grâce à une application, l'utilisateur final a la possibilité de voir la progression du traitement et par conséquent, son amélioration. Grâce à un QR code, Evolution reconnaît le client et son parcours de traitement et transfère toutes ces données dans l'appareil. Cela permet à l'opérateur de disposer immédiatement de toutes les informations sur le client et par conséquent mettre en œuvre le meilleur traitement selon ses nécessités. Sulla cliente stessa, ovunque si trovi un Evolution. L'application est équipée d'une géolocalisation en mesure de fournir au client la localisation de tout équipement situé dans le monde entier. Evolution est également équipée d'une application pour les professionnels. Cette application permet de récolter toutes les données relatives au traitement effectué sur le patient, d'en évaluer son évolution et de comprendre s'il a bien travaillé ou pas, s'il y a eu plus de pression ou si le temps d'application a été trop long. Ceci grâce à la création d'une série d'algorithmes qui permet à l'opérateur d'évaluer son activité,
La recherche constante du résultat est notre objectif premier. Le résultat. Pour cela, nous mettons à disposition de nos opérateurs une série d'outils pour leur permettre d'optimiser au mieux le système endosphère. Nous avons donc placé à l'intérieur de l'appareil un premier outil qui est donné par une barre lumineuse montrant à l'opérateur comment il travaille. À côté, il y a une deuxième barre qui, par le biais d'un algorithme, montre comment il devrait travailler. Donc, lorsque ces deux barres correspondent, cela signifie que l'opérateur a bien travaillé. Cette fonction est immédiatement disponible pour l'opérateur qui peut ainsi corriger immédiatement le traitement sur le patient en obtenant le meilleur résultat possible. Evolution dispose d'un système de guide au traitement. En fait, tous les protocoles qui peuvent être utilisés avec le système endosphère se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Ces protocoles sont disponibles en deux modalités. Une modalité dans laquelle des animations montrent à l'opérateur toutes les activités liées au protocole, c'est-à-dire le positionnement, la pression et le temps d'application. Une autre modalité consiste en une vidéo montrant graphiquement comment l'appareil doit être utilisé. Ces deux outils ensemble sont conçus pour améliorer l'effet de Evolution sur le patient. Le cœur du système endosphère, la micro-vibration compressive, est la pièce à main. La pièce à main a fait l'objet de nombreuses recherches en ingénierie chez Phoenix. Nous avons divisé les deux compartiments, un compartiment qui opère et un compartiment dédié au moteur. Mais surtout, nous l'avons équipé d'une série de capteurs capables de détecter avec précision la pression de l'appareil sur le patient. Nous avons rendu la pièce à main plus puissante et nous avons créé un système innovant pour la température à l'intérieur du moteur et le refroidissement. Les capteurs installés fournissent toute une série d'informations au logiciel qui gère la pièce à main, permettant ainsi d'optimiser au maximum le traitement. Le design de la pièce à main a été étudié pour rendre sa fonctionnalité pratique. Sa forme et son poids permettent à l'opérateur de travailler au mieux sur le corps du patient. Evolution dispose de trois nouveaux rouleaux. Un rouleau conçu pour les premières phases du traitement, avec une viscosité particulière en gel. Un rouleau pour les phases intermédiaires du traitement, où l'action est plus fonctionnelle. Et un rouleau pour les activités localisées d'un tout nouveau design. L'utilisation de trois rouleaux différents permet de personnaliser le traitement et donc de l'optimiser en fonction de la morphologie du patient. Tout cela, bien sûr, n'a qu'un seul but, le résultat. L'une des techniques fondamentales que nous avons utilisées dès le début de la recherche scientifique avec le système endosphère était la thermographie. C'était une technique incroyablement efficace, car elle nous a permis de comprendre quelles étaient les différences thermiques dans les tissus. Nous avons opté pour cette technique avec la collaboration de l'ITAB, l'Institut des technologies biomédicales avancées, en obtenant des résultats extraordinaires. Nous avons à présent pu mettre cette technique si sophistiquée à disposition de l'opérateur et de l'utilisateur final. En effet, en institut, l'on pourra constater ce qui se passe exactement à l'intérieur du tissu. Une technique extraordinaire, impensable il y a encore quelques années. Nous avons équipé Evolution d'un nouveau système pour traiter l'abdomen. Il s'agit de trois éléments combinés en une bande abdominale qui abrite un électroactivateur myofascial.
Un système de sphère qui a une certaine pression et rotation génère ce que nous avons appelé une hyper-onde et un logiciel qui contrôle l'activité de ces deux éléments. Ce nouveau concept, déjà breveté, permet de travailler aussi bien sur l'adiposité masculine que féminine au niveau abdominal, en valorisant l'activité que nous avons toujours menée avec Endosphère sur ces zones en particulier, spécialement demandées par la clientèle. Le cœur du système est une structure sphérique particulière qui subit une déformation contrôlée à une certaine pression, mettant en valeur une rangée de sphères rigides qui génère ce qu'on appelle une hyper-onde. C'est à ce moment précis que la stimulation myofasciale est activée. Tout ceci détermine la compression du tissu adipeux et l'activité conséquente sur l'adipocyte. Toutes les fonctions que nous avons mentionnées sont également disponibles pour le visage, avec une attention particulière pour le traitement de la ride. Nous avons donc inclus deux rouleaux différents avec leur protocole pour optimiser le traitement. Cet appareil représente la troisième génération d'endosphère. La recherche technique est scientifique. La concentration de toutes les activités menées en 15 ans. Son essence est contenue dans son appellation Evolution.